Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo de méditation, pranayama et méditation. Les pranayamas, donc les respirations yogiques, qui vont permettre en fait de commencer à se canaliser un petit peu, de se concentrer quelques instants sur le souffle, la respiration, et de ce fait de commencer à justement apaiser le mental et concentrer le mental sur un point précis, donc pleine conscience. Voilà, ce sera déjà un premier pas vers la méditation. C'est une vidéo qui se veut accessible à tous si vous n'avez pas l'habitude de méditer. Voilà, ça va être un petit support guidé pour vous permettre de débuter la méditation tranquillement à la maison. Voilà. Donc on va commencer par les pranayamas, donc comme je vous disais, la respiration. On va commencer par Anuloma Viloma, ce qui est la respiration alternée. La plupart d'entre vous maintenant connaissent cette respiration. On va plier l'index et le majeur de la main droite. Donc l'index et le majeur de la main droite. Voilà. Le pouce est relevé et donc les deux autres doigts également. Okay. Fermez les yeux, prenez une posture déjà un petit peu de méditation. On redresse le dos, la colonne. Donc, les yeux fermés, respirez par le nez. Inspirez par les deux narines. On va boucher la narine droite avec le pouce et expirez à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et retenez. Donc on bloque les deux narines. Expirez à droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez. Expirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1. Om 2, Om 3, Om 4 et retenez. On bloque la respiration. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez le souffle. Expire gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenir. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et retenez. Expirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expire droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Expirez gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Retenez. Le dernier cycle. Expirez droite, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient. Dernière rétention. Et expirez à gauche jusqu'au bout du souffle. Videz bien l'air des poumons. Et relâchez, gardez une posture de méditation, les yeux clos. Observez
des bienfaits de cette première respiration. Vous devez sentir hein, déjà le mental un petit peu plus apaisé. Faire le deuxième pranayama, donc la deuxième respiration. Tout simplement, cette respiration, ça, on va inspirer en fait. Vous avez des cycles de 3 secondes à chaque fois. Donc en fait, à l'inspiration, on va inspirer sur 3 secondes, puis on va maintenir le souffle 3 secondes, et ensuite on va expirer 3 secondes, on maintient le souffle 3 secondes, etc. Donc à chaque fois, des petits cycles de 3 secondes. Je vais vous guider pour le début et ensuite vous le ferez à votre rythme. À nouveau, ajustez votre posture, le dos droit, les yeux fermés, relâchez le ventre. Et on va commencer à inspirer, Om 1, Om 2, Om 3, retenez le souffle, Om 1, Om 2, Om 3, expirez, Om 1, Om 2, Om 3, retenez, Om 1, Om 2, Om 3. Inspire, je vous laisse faire sur ce rythme. Restez dans votre posture de méditation. On va maintenant faire la petite méditation quelques instants. N'hésitez pas à vous asseoir hein, sur un coussin, un zafou. Voilà, le zafou, c'est ça, hein, ce sont les coussins de méditation. Ça permet d'avoir voilà, les hanches un petit peu relevées. On est beaucoup plus à l'aise pour méditer dans cette posture. Les genoux, voilà, soit en lotus ou non, hein. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à détendre les jambes à l'avant. Et si vous voulez, vous pouvez également vous asseoir sur une chaise, hein, tout simplement. Voilà. Évitez allongé, on aurait tendance à partir un petit peu, sinon, une sorte de torpeur, peut-être de s'endormir un petit peu, donc il vaut mieux quand même avoir une posture éveillée. Donc chaise ou coussin, voilà. Dans tous les cas, essayez d'avoir une posture dans laquelle vous êtes à l'aise, parce qu'on tient quand même quelques instants dans cette posture. Donc, le but du jeu étant d'être quand même
relativement bien et à l'aise pendant la méditation. Ok. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous donner un support de méditation. Donc il y en a plein, plein d'autres hein, de supports. Là, c'est vraiment le but du jeu de canaliser son mental. Voilà. Et donc, on va l'aider en fait. Hein, on va. Je vais vous expliquer du coup l'exercice sera plus simple. On va en fait compter. Voilà, tout simplement dans notre tête. Et pour ce faire, donc on va compter jusqu'à 10. Mais on va pas faire 1, 2, 3, etc. Ça va être par exemple, une inspire et une expire égale 1. Etc. Parce que vous comprenez, par exemple, si je fais une inspire, expire, ça fait 1. Inspire, expire, 2, etc. Et on va monter comme ça jusqu'à 10. Une fois qu'on sera arrivé à 10, on va faire l'inverse. Voilà. Donc on va descendre de 10 jusqu'à 0. Si vous perdez à un moment donné dans votre comptage, c'est pas très grave. Essayez d'en prendre conscience en fait, tout simplement. Essayez de reprendre où vous êtes arrêté. Ou alors si vous ne savez plus du tout où vous en étiez, c'est pas grave, vous reprenez du début. Voilà, et on recommence. Alors si à un moment donné je vais interrompre la méditation, si vous n'êtes pas arrivé au bout de votre comptage, ce n'est pas très très grave. Hein, vraiment, le but du jeu est juste de pouvoir canaliser un petit peu son mental. Voilà, canaliser ses pensées, ses réflexions. Et voilà, à l'aide de ce petit exercice. Donc on va commencer, donc encore une fois, hein, j'insiste sur le dos droit, les yeux fermés, le menton légèrement rentré, les mains bah, posées sur les genoux ou alors en mudra, comme ceci, sur les genoux. On peut également avoir les mains l'une sur l'autre devant soi. C'est une posture que j'aime bien en général. Voilà, on va commencer, fermer les yeux. Relâchez votre ventre hein, pour respirer calmement. Et on va commencer l'exercice. Je vous laisse. Chacun va commencer à son rythme. Hein. Donc je vous rappelle qu'une inspire et une expire égale 1. Et on essaye de monter jusqu'à 10. Quand vous êtes arrivé à 10, on redescend jusqu'à 0.
Même si vous n'avez pas terminé le comptage, c'est pas grave, restez tranquillement dans cette posture toujours et voilà, essayez de prendre conscience. Est-ce que ça a été difficile de garder le rythme du comptage? Est-ce qu'à un moment donné, votre mental a lâché et est reparti dans ses pensées? Alors observez tout ça. Et si c'est le cas, ce n'est pas très grave, hein. Le but du jeu est vraiment juste de prendre conscience des choses, prendre conscience que son mental, ses pensées sont en train de nous perturber. Et on revient à chaque fois sur notre objet de concentration, donc là en l'occurrence le comptage, ça peut être la respiration ou vraiment tout autre moyen de méditer. On va rester quelques instants dans cette méditation, je vais me taire un instant et essayer de vous concentrer en fait sur votre souffle quelques instants. Observez le mouvement du ventre, observez vos inspirations et vos expirations. Pour s'aider, on peut sur l'inspiration mentalement se répéter « Je prends conscience que j'inspire ». Pareil sur l'expiration, j'expire, je prends conscience que j'expire. C'est vraiment la méditation pleine conscience. Une fois, si votre mental s'égare, prenez-en conscience tout simplement, sans jugement, et ramenez votre mental sur votre respiration à nouveau. Observez l'air frais à l'inspiration, donc l'air frais à l'entrée des narines. Et sentez à l'inverse l'air chaud à la sortie des narines sur l'expiration.
clôturer cette petite séance de méditation, je vais vous chanter, les mantras pour la paix, la bienveillance. Jamae sugandhim pushti vardanam ruvaukameva bendanam vritya mukshayamahamritam om trayambakamya jamae sugandhim pushti vardanam ruvaukameva bendanam vritya mukshayamahamritam om trayambakamya jamae sugandhim pushti vardanam ruvaukameva bendanam vritya mukshayamahamritam om shanti 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 om pe pe pe. Surtout gardez cette paix en vous, cette bienveillance envers vous et surtout, et envers les autres également. Et envoyez également cette paix, cette bienveillance à tout le monde, les gens autour de vous, vos connaissances, votre famille, vos amis. Et également aux gens qu'on apprécie moins. Séance de méditation est maintenant terminée. Donc voilà, c'est vraiment un petit support, hein, une petite aide pour vous aider à progresser dans la méditation, vous aider à canaliser un petit peu votre mental. Voilà, donc j'en ferai d'autres petites vidéos avec d'autres supports méditatifs. Ce sera peut-être aussi des mantras, des petites choses comme ça. Je vais étudier la chose et puis je vous poste ça très prochainement. Merci à vous, à bientôt.